Le Seigneur est avec nous grand matin. Amen. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Nous là pour écouter la parole de Dieu ce matin. Amen. Laissez-nous mettre à l'aise dans la présence de Dieu. Prends-nous la Bible, nous fusils, l'épée. Et vous allez lire quelques mots, quelques versets de la parole du Seigneur. Amen. Laisse-nous ouvrir nos livres, la Bible, dans l'épître de Paul aux Philippiens, et chapitre 4, à partir du verset 6. L'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons lu ce même texte. Ce n'est pas pour les ajouter quelque chose, ou soit bon trouve quelque chose pas bon là-dedans, non. Mais pour les reprendre quelque chose, surtout dans sa verset 8 là. Pour lui dire au reste, frères et sœurs, tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Nous pensons. Beaucoup de choses nous pensons dans la tête. Ça, personne n'est pas capable d'empêcher nous. L'homme là, pendant qu'il nous peut causer, risque parfois de ne pas écouter moi-même, je peux penser à quelque chose. Du moment qu'il me cause penser, ou comment je réfléchis là où même. Vous pouvez dire, mais qui est dans mon pensée? Mais moi, ce qui m'a dit à eux, c'est nos pensées qui dirigent nos actions. C'est nos pensées qui dirigent nos actions qui nous sont pour faire. Nous nous disons penser avant. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans qu'ils nous pensent. Mais nous pensons, c'est important, nous pensons du capital, comment la parole de Dieu peut dire ce matin. Mais c'est ce qu'il nous besoin faire, après la parole de Dieu, nous besoin connaître qui nous pense. Nous besoin contrôler nos pensées, pas laisser nous penser tout ce qui nous envie, mais selon la parole de Dieu. Amen. Il dit, au reste, frères et sœurs, au reste, veut dire, ce qui vous reste à faire, qui nous restait pour faire, il peut dire le mot de la fin, vous voulez dire aux autres, le mot de la fin, parce qu'il fait expliquer, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il fait dire ça là. Il dit, mais pas ça même. Finalement, finally, comme en anglais dire, finalement, à la fin, le mot de la fin, ce qui nous pensait, il est important, ce qui nous pensait, disait, il y a quelque chose qu'il adore. Et qui quelque chose besoin énorme dans nos pensées? Qui besoin énorme dans nos pensées? Plie beaucoup les temps. Qui besoin? C'est ça qui sa parole là peut dire. Mais tiens, nos pensées, c'est beaucoup important, frère sans Christ. Et penser, nous prenons une seule pensée. Nous avons beaucoup de pensées. Dans une minute, nous sommes capables d'une pensée. Vous ne connaissez pas moi. Vous voulez 25 pensées, 10 pensées. Mais c'est mal, il n'y a pas une seule pensée. Nous pouvons penser, nous pouvons imaginer dans la tête ça. Nous pensons beaucoup quelque chose. Alors nous-mêmes, alors les autres, nous faisons un jugement.
nous analyser, nous guetter, nous observer. Mais tout ça là, il vient dans nos pensées, frères en Christ. Nous peut-être nous besoin contrôle nos pensées. Peut-être nous pas capables de contrôler nous-mêmes pour capables contrôler nos pensées. Parce que parfois, il est impossible pour contrôler nos pensées. Nous disons nous pas pour penser ça. Penser là, revenir. Nous disons nous pas pour penser ça. Penser là, revenir. Peut-être il n'y a pas contrôle sur nous. Nous besoin contrôler le Saint-Esprit. Amen. Nous besoin contrôler le Saint-Esprit parce que bon Dieu finit de nous le Saint-Esprit. Jésus finit de nous le Saint-Esprit. Frères en Christ. Quand nous lisons dans Galates, qui fait vous confirmer ça? Quand nous lisons dans Galates, le chapitre 5, le verset 16, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ça veut dire, ou pas pour capable de combattre la chair, ou pas pour capable de combattre sa nature mauvaise dans nous là. Nous pas capable de combattre par nous-mêmes ça. Nous disons l'aide du Saint-Esprit. Amen. Nous besoin l'aide de l'Esprit de Dieu. Et l'autre quelque chose qui m'a fait observer dans ce passage qui nous fait lire là, qui la capacité pour diriger nos pensées, il n'est pas venu de nous, il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans verset 7? Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu. Il veut dire, avant, pour être capable de contrôler vos pensées, vous disiez dans la paix. Et ça, la paix là, il peut la paix qui, comme on dit, en dehors, comme ça, comme on dit, personne ne peut faire ta place, personne ne peut la guerre avec vous. Il n'y a pas juste ça. Capable, vous prenez du monde, pas peut discuter à vous, pas la guerre avec vous. Et seulement, ou pas en paix. Ou pas en paix. Ou capable pas en paix ou même, ou capable pas en paix avec les autres, mais ou pas en paix. Mais dire, nous disons ça la paix là. Il dit, et la paix de Dieu. Vous connaissez comme ça quand nous lisons la Bible, tout le temps nous disons, ou pas lire juste un seul verset. Faire comme je dis, on commence là, verset 7, on dit, et la paix de Dieu. Mais qui est la paix de Dieu? Nous pouvons lire ce qu'il y a avant là. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, priez. Faire la prière. Faire bon Dieu connaître qui a besoin. Faire bon Dieu connaître qui peut tracasser. Faire bon Dieu connaître, supplie bon Dieu. Faire ma supplication, intercéder. Et pas oublier, remercie bon Dieu, il dit. Rendre grâce. Quand on finit de prier, on rend grâce. Quand on rend grâce, je veux dire, on a confiance. Quand on a confiance, veut dire aussi, ce qui est bon Dieu qui nous peut servir là, il y a un grand bon Dieu. Amen. Il n'est pas n'importe qui Dieu. Il n'est pas un petit Dieu. C'est Jésus qui nous servit là. Il n'est pas n'importe qui Jésus. Il y a un Jésus qui est au-dessus de tout nous. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Avant tout, quelque chose, disait, la paix est bon Dieu. Comme on dit les autres, quand nous finissons de prier bon Dieu, ça veut dire qui nous fait aller confiance. Ou pas pour demander un djimoun, un quelque chose, quand on connaît un djimoun, n'a pas pour de nous. Non, ou pas pour demander un djimoun, on connaît un djimoun, n'a pas pour de nous. Pas pour demander lui, pour demander l'autre. Mais ça, Dieu, là, quand nous venons devant lui, nous prier. Nous connaissons qui Jésus vient dire, si vous demandez quelque chose en mon nom, il va dire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand nous prions, quand vous priez, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose qui passait. Moi, je veux dire, dans ce nom-là, ou pas prier dans aucun des autres noms, pas adresser la prière avec aucun des autres saints, aucun des autres quelque chose. Nous la prier adressée au Père, nous fait santé Yahweh, Jéhovah, nous la prier adressée à lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Vous connaissez quand nous prions, bon Dieu, pour prier un quelqu'un. Vous connaissez du monde, prier tout ça, capter quelque chose. Ben non, je ne sais pas même qui je peux prier. Mais seulement nous, quand nous adressons la prière au Père, à Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, nous avons une confiance. Parce qu'il y a des enfants bon Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous croyons dans son nom, nous avons la paix et nous avons confiance. Et sa confiance, c'est ça qui donne nous la paix. Il ne va pas dire rendre grâce, comment te finir en grâce. Il ne va pas dire, mais attends, tu es guéri, attends en quoi moi. Et là, tu rends grâce. Non. Il dit, avant de guérir,
dans des demande bon Dieu quelque chose avant de gagner ça quelque chose même rendre grâce fini fini dire bon Dieu merci moi mon corps qui est un Dieu qui est capable de faire ça quelque chose ça pour moi amen alléluia c'est ça la confiance là là il dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ou quelle l'intelligence de l'homme pas capable de faire qu'il est ça la paix là nous pas rien comprendre la paix là quand il sorti quand il vient mais c'est vraiment il vient il rentre dans tous les cœurs il envahit à toi. Elle a beaucoup de problèmes, elle a dit, on peut paniquer, gauche, droite, mais toi, tu es là qui fait parce qu'il a paix, bon Dieu. La paix, bon Dieu, il n'est pas venu depuis de toi, il vient depuis Dieu. Amen. Ou pas capable de prier un bon Dieu, un qui ken, qui ou pas connaît, qui les jette en Dieu, non, ou bien prier un Dieu qui vous connaît. Vous voyez, quand vous pouvez imaginer, vous imaginez cet épisode-là, quand Jésus vient de sa madame là. Il se une madame, côté un puits, la Bible appelle la femme samaritaine. Une conversation finit déroulée entre Jésus et sa madame. Là. Jésus dit à elle quelque chose de profond. Il dit à vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit à là au problème. Vous connaissez qui fait dans cette situation-là? Vous adorez. Ce que vous ne connaissez pas. Ou puis adore ce que vous ne connaissez pas. Dis-moi, parce que quand il vient là, il dit, nous ne grand Dimoun si dire. Vous connaissez combien de Dimoun comme ça dans la terre? Peut dire ce grand Dimoun si dire. Son parrain si dire. Mon père si dire. Mon seigneur si dire. Si pas qui s'en a si dire. Pasteur si dire. Non, frère Jean-Christ. Ce n'est pas les autres qui disent. Sa madame là, quand il finit une conversation avec Jésus, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Il dit, nous avons grand monde. Il dit, il y a une base. Il dit, quand nous avons grand monde, tout le temps, nous avons grand monde, il y a raison. Non, nous avons grand monde, pas tout le temps, il y a raison. Ce pas tout le temps, il y a raison, frère sans Christ. Nous devons faire la paix avec Jésus, faire l'alliance avec Jésus, mort avec Jésus. Connais qu'il dit, la femme, il a ajouté, il dit, nous savons ce que nous adorons. Il dit, nous, les juifs, nous connaît qui c'est un nous peut adorer. Voilà nos différences. Je veux dire, ce que moi, je voulais dire, fais une manière où connaît qui c'est un peut adorer. Fais une manière où connaît qui ça, qui ken qui peut adorer. La panne qu'à côté du monde, connaît, adore, donne-nous une image, adore ça, donne-nous une médaille, adore ça. Non, donne-nous une idole, adore ça, ou faire un résultat ça. Fais aucun résultat dans quelque chose qui vous ne connaissez. Résultat, c'est dans quelque chose qui connaît. Nous connaissons Dieu. Qui finit créer les ciels et la terre, qui finit envoyer son garçon Jésus-Christ ici, afin qu'il n'importe qui s'en âme, pas mort, mais qui est dans la vie éternelle. La Bible dit que Dieu peut envoyer Jésus pour juste le monde, mais afin que le monde soit sauvé. Mais alors, aujourd'hui, frères en Christ, nous qui finissons accepter Jésus-Christ, peut-être n'avons pas encore accepté Jésus-Christ, moi, je veux dire, faire un demi-tour, accepter Jésus. Amen. Faire un demi-tour, accepter Jésus. Vous voyez ça la paix là? Ça la paix, il m'a dit là. Quand on connaît Jésus, vous connaissez nous, tout ce qui peut dire, nous connaissons Jésus. Parce qu'il nous a attendu. Parfois, nous a trouvé une photo. Nous nous a trouvé une statue. Ou soit nous lire dans un livre, dans la Bible, nous tentons qu'il appelle Jésus. Et nous grandissons, nous respectons, nous récitons la prière, Jésus. Frère sans Christ, mais c'est moi, nous ne connaissons pas. Quand nous connaissons qui nous a accepté Jésus dans la vie, nous faisons un demi-tour. Ça demi-tour-là, personne ne peut dire nous n'en. Personne ne peut dire nous, ça quelque chose qui nous peut faire là, pas bon. Mais quand nous acceptons Jésus, beaucoup quelque chose nous arrête faire. Pas besoin de l'église, nous donne la liste quelque chose qui n'a pas besoin de faire, mais là, l'église peut faire fausse. Non, il n'y a pas de problème l'église, ça. Il y a problème, bon Dieu, ça. C'est entre où et Dieu. C'est entre où avec Jésus. Quand on accepte Jésus, fini qu'on est. Ça, quelque chose n'est pas bon. Je ne vais pas mettre les pieds dans sa place encore. C'est une place qui longtemps, je vais mettre les pieds, mais maintenant, les pieds pas capable de rentrer dans sa place. Devant sa photo-là, je ne vais pas capable de prosterner moi encore. Les là, nous connaissons le changement. Mes frères en Christ, si vous connaissez un grand problème de nos jours, beaucoup de gens disent qu'on saisit. Je t'écris un verset biblique. Je dis Amen. Je cause tout ce qui a été causé. Mais parfois, je me demande mais comment je suis capable de retourner après à faire quelque chose. Je fais dans l'église le matin. Tu as l'air, je t'allais, ou tout
je vais en action par max avec ce qu'ils ont pu dire. Ce n'est pas une critique, mais c'est un prêt pour nous analyser, pour nous connaître du monde pas fini de nouveau. Pas tombe dans notre pièce à cause de cette même quantique qui nous, ou quoi qui se paraît comme nous là, où vous êtes les bras, ou pas évangéliser les autres, ou pas interpeller les autres, ou pas dire aux autres qui visent accepter Jésus. Quand on aime beaucoup, nous arrêter les autres. Qui fait nous arrêter les autres? Parce qu'ils se causent même langage qui nous. C'est une lire plus beaucoup de livres chrétiens qui nous, c'est qu'on plie beaucoup de versets bibliques qui nous, et nous acceptons, et nous assumons, comme en anglais dire, qui ça va dire, là, il est de nouveau. Mais nous, nous, bis frères en Christ, c'est qui dit, il est de nouveau. C'est qui se parvenir à la vie éternelle. Amen. C'est ça qui nous, les qui dit, parvenir. Parfois, moi aussi, je me trompe, parfois, il y a quelque chose à gâcher, je dis, Seigneur. Mon assume qui ça dit, il est correct. Même si maman, qui lui peut causer? Ou peut-être qu'il y a un petit monde correct qui me bosse avec Jésus, il peut causer tout Jésus. Même si maman, on est trouvé, il peut faire une pratique qui ne peut pas permettre. Vous connaissez un petit monde qui n'a pas venu accepter Jésus. Il n'a pas fait encore un peu mauvais, si pas ce caractère encore, nous dire avec les temps, les seigneurs, pour ça, on se dit ça. Ça nous comprend. Mais c'est moi qui ai dit que quand on finit, vin là, t'allais un camarade n'est qu'un vitrier. Vini, mange ça, manger ce service là, toi le manger. Vini, faire ça quelque chose pas bon là, toi aller. Pour ne pas avoir cause plus qui ça, c'est le grand matin là. Mais c'est moi, il est important, il est impératif pour un chimoun, pour un salapé là, quand nous prions, faut nous mors avec Jésus, faut que Jésus nous saigne. Comprends-moi bien, frère sans Christ. Il y a quelque chose? Laisse-moi ajouter quelque chose. Là. Vous connaissez tout le temps, moi-même, je vais faire un reproche, je veux dire. Parfois, quand moi, dans l'enterrement, vous trouvez un homme religieux, je veux dire, je peux causer, je t'explique dans un message, que voilà cet homme parce qu'il est fini baptisé. Je dis, il finit dans le repos éternel contre ce papa. Mais ce n'est pas vrai, ça. N'est qu'un djimoun prend baptême depuis les petits. Et pas lui qui fait, il prend baptême, lui aime. Un autre djimoun, il fait un peu de l'eau sur la tête. Il vit sur la vie comme il a envie. Pendant 80 balles, il vit sur la vie comme ça. Quand il meurt, il est dans le ciel. Frère et soeur, est-ce que là, laisse-moi expliquer pour nous, ban qui dit, supposé, nous ban pentecôtistes, ou soit évangélique. Mais est-ce qu'il y a quoi ou à cause un djimoun il vient de l'église? Ou dire lui récite ça la prière là. Seigneur, acceptez-moi comme tes enfants aujourd'hui. Ah, les filles viennent chrétiens, baptise-lui. Ah, c'est un. Réfléchis bien, frère sans Christ, si ça dit quelque chose à pas pareil. Ou de mettre un faux espoir dans l'esprit du monde parce qu'il baptise lui, il donne un certificat, faire lui à croire que tout est correct. Non, frère sans Christ, tout pas correct. Nous disons mort avec le Seigneur Jésus, comment besoin pour mourir. Ou même l'esprit bon Dieu dans haut, ça l'a appelé là qu'on verrait quand l'esprit bon Dieu dans haut, l'esprit bon Dieu pour diriger. Ça pas besoin faire. Personne n'a pas besoin de dire ça. Ou même vous venez. Ou dire ça pas besoin faire ça. Vous pas d'accord. Parfois, quand pas venant quelque chose, vous avez un droit à faire. Mais où est-ce que vous avez? Moi, je vais faire ça. Parce qu'il y a quelque chose pas correct. Ça. Vous pouvez comprendre, frère sans Christ. Il dit, la paix de Dieu vous gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans verset 7, il dit ça. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées comme ça en Jésus-Christ. Ça, la paix, bon Dieu, là, qui vous garde ça en Jésus-Christ. Est-ce que toi le travail, comment tu aller? C'est frère qu'on mange. Qu'on mange, mousson, mon frère. Il y a des qui gagnent aujourd'hui. Qu'on te rentre, il peut. Est-ce qu'il peut garder ton mood? Pour un peu de travail, grand matin, mon doublé, mon motocyclette, un trafic, arrête-moi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Après, un mois, allez. Vous parlez de tout le monde grand matin. Vous parlez de tout le monde grand matin, allez.
pas vraiment pour nous garder. Mais il dit, ça la pipe, bon Dieu, là, pour garder tous les cœurs. Tout le temps, il pas qu'une mauvaise nouvelle, tous les cœurs gardés. Tout le temps ici, tout le temps là-bas, tous les cœurs. Mais comment tu es capable de garder ça? Comment? Pendant que tu es dans les cœurs, ça boule. Qui est dans les cœurs? Non, en fait, il y en a les cœurs, mais sur les cœurs, il y en a la paix. Vous connaissez qu'il dit, gardera vos cœurs. En anglais, il dit, shall garrison and mount God. Vous connaissez qui veut dire garrison? Garrison veut dire, vous connaissez l'équipe soldat, vini, par God. Parfois, tout ça contre la reine, non? Tout le temps, il y a un God qui veille. Ça a même manqué. Ça a même qui peut dire. Moi, je dis, ça a la paix, bon Dieu, la veille tous les cœurs, comment ça a un God là? Et ça a même manqué un God qui peut veiller tout autour de tous les cœurs. Il peut protéger toi, il encercle toi, il protège contre rentrer et sortir dans tous les cœurs. Ça veut dire, il y a quelque chose qui sortit depuis tous les cœurs pour faire une action. Et il y a quelque chose qui rentrait, il y a quelque chose qui sortit aussi, frère Saint-Christ. Et ça a quelque chose là. Un en bon et un en mauvais. Vraiment, un en bon quelque chose qui sort dans le cœur, un en mauvais quelque chose. Un en mauvais qui peut sortir en dehors, puis rentrer dans le cœur. Il dit la paix, bon Dieu, quand il dit bout comme ça avec son mitrailleuse, avec son fusil, de patoplasme. Il dit il veut l'autre le cœur. C'est la paix de Dieu là qui garde le cœur, frère Saint-Christ. Enfin, nous ne pouvons pas comprendre comment nous le cœur garder. Comment on dit c'est facilement nous faire. Mais la paix, bon Dieu, il garde nous. Amen. Merci Seigneur. Ça m'a garde contre la reine. Ça a même en relève. Vous trouvez quand là, il y a une vague de chaleur en Europe, une banque qui est venue, vient de sa banque garde là, boire. C'est moi, je dis un responsable. De boire. Parce qu'il est trop chaud. Deuxième quelque chose, laisse-nous guetter. Qui besoin un an dans nos pensées? Mais ça, pas moi qui besoin dire, et pas l'église aussi. Ça. Parce que souvent, c'est un problème dans l'église, dans le pasteur, dans l'autre, parce qu'il dit pasteur, il dit ça, moi pas d'accord, ici, là-bas. Mais laisse pasteur pas dire non, rien, laisse mon Dieu dire. Tu peux comprendre? Parce qu'il est là pour critiquer, et tu as le dire. Un antimonie qui raconte mon causé, il dit ça. Mais comment vous connaissez si vous pouvez l'église vraiment grand matin, quelquefois vous partez venir? Comment vous connaissez? Pour me venir une prédication, si c'est tout seul. Sinon, moi, je vais nous rendre une visite, moi, je vais dire, oui, il y a un problème. Qui besoin être trouvé dans le cœur? C'est ce verset qui m'a dit, nous pouvons le prendre, le verset 8. Il dit au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je veux dire, qui besoin un an dans penser un enfant de Dieu, un homme, une personne, une femme? Je veux dire que tout ce qui est vrai, je veux dire, capable de faire quelque chose qui n'est pas vrai aussi. Je pense au courant, ça va nous faire là. Ou soit, première fois, tant ça. Là. Qui dans les cœurs, tout le temps, il y a quelque chose qui est vrai. Ou soit, un infini calculé, qui mensonge, il peut causer pour dire qu'il demain, il peut envie à travailler. Vous connaissez, il y en a beaucoup de gens qui sortent dans tous les cas, même ça. Ça mensonge là, sorti dans les cas, même ça. Un homme sonne safe. Alors, mon bloqué, mon arrive Rosil, mon gagne panne. C'est là, c'est là, j'ai allé étant. Apprendre cause mentir. Tous les téléphones, moi, l'autre numéro, la carte, tout est au Rosil. Vous connaissez à l'époque, la patte, c'est encore un an. Van portable, ça, mais là, nous avons un téléphone dans le bureau, tout est affiché, ça. Tel numéro, il paraît là, dans l'écran. Là.
état apprendre cause mentir mais il y a dit mon se calculer dans ce critère qui mensonge pour sortir mais dire tout ce qui est vrai veut dire frère en Christ peine en place pour une demi vérité connaît ça aussi existe pas six mensonges qui existait je connais ça pas six mensonges qui existait elle a la moitié la vérité d'un demi vérité frère en Christ vous connaissez ou ajoute lui elle a une bout de vrai là-dedans on se trouve là tout mener si mise blé grand matin et puis traverse par là et puis aller c'est vrai ça si mise à ti blé tout correct mais ça l'autre bout pour raconter hier là pas vrai il pas vrai il pas vrai du tout on ajoute ça bout là avant pour faire du monde plus quoi qui c'est qui vous peut dire vrai qui dans nous les cœurs peut dans sa banque quelque chose là qui fait parce que Jésus lui-même la vérité amen la Bible qui dit Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie pas capable un quelque chose qui parle la vérité dans nous les cœurs frères en Christ un chrétien connaît ça quelque chose là par la vérité un an mon père même dans mon témoignage profond mon père me dit je pas peur les autres comment dire ça vient comment dire Ananias je n'ai tombé sur moi dans un témoignage puis ajoute des affaires qui pas exact allez pour moi pas dire menti mensonge pour dire pas exact ou puis ajoute des causes pas exact même dans un témoignage pour le Seigneur non frères en Christ qui dans le qui est payé dans sa bande qui sont là bande demi vérité vous connaissez de nos jours il est acceptable qui cause menti ben là dire les banques il est acceptable ça qui nous cause un petit menti m'a dit pour ça nous pour pas créer un problème à nous causer un menti aïe on m'a oublié qui côté ça dans la parole de Dieu pourquoi Joab t'a envoyé une madame à les rois il dit madame là hein il dit, envoie une madame au roi. Il dit, madame là, expliquez qui ce monsieur est mort, ce bon garçon est mort, et ce bon famille, puis route ça des garçons là, ils la guerre. Ce des garçons, un intuit ce procès. Vous connaissez qui la parole de Dieu dit, quand un. L'autre, ils inventent ça l'autre là dans l'Ancien Testament. C'est ça s'appelle ça le vengeur de sang. Mais là, il peut dire, mais tu connais, mon bonne famille, Péron, mon seul garçon pour touiller, même l'intuit son frère, mais pas capable ça. En fait, si tu peux causer un mensonge, tu peux faire un, comment on peut dire, une comédie pour que les rois comprennent qu'il est bien laisse son propre garçon. En paix. Je peux comprendre. Mais nous pas faire ça dans le calte scénario là, pour inventer quelque chose, frères en Christ. Nous pas inventer quelque chose, nous frères en Christ. Il dit tout ce qui est vrai, tout. Je rappelle tout. Tout veut dire pas un peu, tout. Il dit tout ce qui est vrai. Nous connaissons un certain quelque chose qui nous pas trop sien. Ça va être quelque chose qui nous passe là. Mais ça nous passe ici, c'est vrai. Il y a quelque chose nous entendons. Ou soit il y a quelque chose nous peut calculer. Seulement, nous passe ici, c'est vrai 100%. Mais ça va être quelque chose là. Il n'est pas vrai. Du moment qu'il peut vérifier ça, quelque chose là, il n'est pas encore vrai. Parce qu'il peut penser ça vrai. Vous connaissez dans le monde comme ça. Quand il est tout, il a fini de penser. Parole peut être moi travers. Vrai. Mais non! Pas qu'on ait qui sa frère, un gars là-bas, il vient, étant venu, son figure, un peu sérieux, là, on peut dire, il est en colère. Non! Au départ, nous ajoutons quelque chose. Tu connais? Il y a quelque chose qui nous pas capable de vérifier avant de nous causer. Quand avant de nous causer, nous causer. Tel dit mon mort. Mais avant, on fait une nouvelle comme ça. Il n'est pas simple, ça.
pour nous caler des affaires. Un tel en prison. Et tout ça là pour garder les kermen. Il y a des affaires. Un frère, il mettait leur Facebook, il mort. Il mettait les mots. C'était mon président, voilà, frère, tel Limbo. Bon. Au son de mon cousin qui prend son lit, peut-être entendre un tel Limbo. T'es moi, non? J'ai mon petit cousin connu. J'ai mon temps d'exposition, l'autre pasteur, vous demandez. J'ai moi, non? Il résonne, moi, j'ai mon petit pain de mots. Il aime pas mettre sa bande d'affaires. C'est tout, tu peux dire, qui de mort? Qui de mort? Et moi, je ne suis pas content de cette affaire. Là, du monde, leurs autres Facebook, ils mettent un gros cercle. Moi, jamais, on ne peut pas dire ni sympathie, ni non. Parce que, vu qu'ils ne peuvent pas connaître qui vous mettez, soit vous dites au papa un mot, ou frère un mot, ou maman un mot, c'est pas que c'est un mot, les larmes pour dire. Sinon, otherwise, je ne peux pas vous poser aucune question. Si vous parlez de du monde qui est arrivé, pas vos affaires, ça. C'était ça, frère, là, Lynn. C'était mon madame, puis venir dans l'église, prier pour sa famille, une affaire vraie, c'est mon frère. Il n'y a pas de mensonge, non, c'est ce qu'il m'a proposé là. Ici, là, dans sa place, hein, priez pour famille, frère, tel. Non, ah, mais est-ce qu'il y a une badina, sa frère? Ah, mais ça a parti bien dans ce l'éclair depuis avant l'incal qui l'a fait. Hein? Non, frère, sans Christ. Ben, quelque chose, nous devons vérifier tout quelque chose. Nous devons être honnête. Tout ce qui est vrai, bien dans nous l'éclair. Vous connaissez parfois, il rentre dans quelque chose qui n'est pas vrai. Parfois, on a envie de modifier la parole. Mais après, on dit non. Pas qu'à modifier la parole. Il n'est pas correct, il n'est pas bon qu'il nous modifie la parole, frère sans Christ. Dis-le qu'on a besoin pour dire. Tout ce qui est vrai. Il dit, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite le respect, tout ce qui n'est pas déshonore personne, tout ce qui est honorable, tout ce qui n'est pas pour déshonore ni nos familles, ni l'église, ni personne, ni bon Dieu. Quand on a quelque chose, déshonore nos familles par nos actions. Mais seulement là, il n'y a pas encore une action là, encore dans l'esprit, dans nos pensées qu'il n'y a pas bizarre dans ça. On calcule pour faire quelque chose. Mais calcule bien. Priez le Seigneur, calcule bien. Ou pas quand on va faire un sommet à soi, on peut penser. Ou pense tout ça de quelque chose. Un a bon quelque chose, un a mauvais quelque chose. Mais ça va de mauvais quelque chose, il n'y a pas besoin d'être l'objet de nos pensées. Amen. Alléluia. Tout ce qui est juste, ça qui est besoin dans le cœur. Vous connaissez nous, bon Dieu de justice. Et sur la justice exacte, sur la justice parfaite, sur la justice extraordinaire. Mais si nous, bon Dieu, juste, qui fait à nous, ses enfants, nous pas juste? Vous pouvez expliquer ça, là. Qui fait à nous pas juste? Vous connaissez un homme qui kenne, c'est trop de pervertir la justice. C'est-à-dire, c'est trop de fausse la justice. Je donne fausse témoignage. Je cause fausse parole. Ou capable de dire. Ou capable de témoin aussi d'une caisse. C'est mon peine cause vraie. Pour ça, peine l'autre du monde, ou soit pour couler l'autre du monde. Ou peine cause vraie. Ça peine quelque chose là, il ne faut pas aller dans nous les cœurs, frères sans Christ. Il ne faut pas, parce qu'il nous bon Dieu, un bon Dieu de justice, il ne faut pas qu'il nous rende un faux jugement. Quand on a un bon Dieu de jugement, pas besoin dans la cour, ça aussi, vous rendez un jugement. Dès qu'il y a une vinyle, il y a un problème, tu plies en toi, toi. Mais nous savons qui nous causait. Dès qu'il y a un problème, ce n'est pas un couple. Il vient et tout, il pensait qu'il n'y aurait pas de lui. Soit on met l'autre, ou on met des autres. Dès qu'il y a quelqu'un dans le monde, il s'est rappelé reprocher madame de certaines quelque chose. Ça dit, mon qui peut s'y poser, un zizla, avec sa monsieur là, toi aussi, toi.
On est là pour toi dans le cimetière de perdition, toi. Il a dit, va madame là, c'est un problème à résoudre là. Le problème là, c'est plus grave. Ou soit, vous connaissez, nous bien connaissons qui nous causait vrai sans Christ. Nous bien une certaine justice, nous pas créer une certaine l'injustice. Nous pas faire innocent l'affaire, mais frère sans Christ, ça va être quelque chose là, il ne faut pas dans le cœur. Nous pouvons calculer quelque chose, innocent, capable de faire, mais frère sans Christ. Quand nous sommes pour trancer d'un litige, d'un problème, nous favorisons nos familles, nous favorisons nos camarades, nous favorisons nos enfants, eh bien, on appelle ça ou juste, être pensé juste. Dis à frère sans Christ, est-ce qu'il existe? Normal, nous avons besoin d'une faiblesse pour nos enfants, pour nous. Mais nous connaissons nos enfants en tout. Vous ne pouvez pas écouter la radio, quand il arrête les enfants, les parents causés, les caisses à la police, je dis à bon Dieu qu'on aime, au pitié, bon pitié. Tous les enfants bons. Je veux dire, si ils disent, ou soit la police, si on aime les logs, ça beaucoup pas blanc. Mais non, nous ne faudrait pas qu'il y ait ainsi, frères en Christ. Même nous, pas pour tuer nos enfants, mais nous répondons avec sévérité. Nous disons, tout aime ça. Jamais, si voisin qui ne pousse toi là-dedans, tout aime. Nous disons, l'injustice en nous, frères en Christ. Je ne dis pas, dans l'injustice, je trouve trop flagrant. Je dis, nous habitons à ça. Bien qu'on nous famille, ça. Vous êtes une famille comme ça. Comme un dimanche, cause moi causer là. La guerre est faite. Fais la bouche en ce matin. Tout. Qui raison? Bon famille, ça ne te va pas qu'un droit cause dans la bonne famille. Vous avez dit ça. Quand la famille là en tout, pas un droit de non, rien. Mais ça peut être l'injustice. Bien Dieu. Frère sans Christ, vous n'êtes pas ainsi qui est trouvé dans nous les cœurs, frère sans Christ. Enlève sa banque qui sera là de nous penser, frère sans Christ. Il dit, qui vient encore dans le cœur, il dit, tout ce qui est pur. Vous connaissez ce qui veut dire pur. Il veut dire, pas un rien mal propre, une pureté morale, pur, les purs, tout ce qui est pur dans nos pensées. Nous connaissons quelque chose qui n'est pas pur, cause la vérité. Vous me dites, ça ne va pas cause à Eliel, ça ne va pas cause aux autres. Les autres grands, je te comprends. Je te connais qui appelle pur. Et qui pas pur. Capable, partout qui se connaît, mais seulement la plus peur, parce que, premièrement, ou dans le Saint-Esprit, ou dans la conscience, ou connaît quelque chose qui n'est pas droit. Il dit tout ce qui est pur. Ou connaît dans quelque chose mal propre. Moi, je dis à frère sans Christ, comment on est capable de venir de nouveau? Comment on est capable de venir de nouveau? Et ou pas trouve ça quelque chose là pas bon? Si ou pas trouve ça pas bon, mais il y a un problème, frère sans Christ. Ou bien, je trouve ça quelque chose là pas bon. À cause de ça, même tout à l'heure, moi, je dis, qui, quand un chimoun est né de nouveau, nous bien trouver qu'il est né de nouveau. Il bien faire ça, casse contour 180 degrés, sans cimer, abandonne ban vie cimer, mort avec ban chimoun qui connaît le Seigneur, vient dans ban l'église qui priait bon Dieu en vérité. Tu parles dans l'église, côte par cause, si. Tu parles dans l'église, côte pour faire passe, dis l'autre de la tête. Tu parles dans l'église, côte pour baptiser des petits-enfants. Tu parles dans l'église, côte pour donner un gaufrette, l'autre la langue. Toi, mais frère sans Christ, tu observes, réfléchis bien, tu observes, réfléchis bien, si tu es né de nouveau. Prenez dans le monde, dans l'église, trop hypocrite, de prier la case. Moi, je dis non, frère sans Christ. Première affaire, quand on est de nouveau, tu as envie de jouer un monde qui parie comme toi. Un monde qui prie même Seigneur comme toi. Tu as les jeunes autres et tu les prier sa bonté ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Ça qui est bien dans tous les cœurs. Si tu es de nouveau, seulement encore dans tout ça, il y a quelque chose pas bon là. Mais quand pas bon, vient dans les cœurs. Nous connaissons ça, une affaire pas bon. Nous repoussons, nous disons non, au nom de Jésus-Christ, nous révisons et qu'on la paix bon Dieu avec nous. Nous ne pas s'arrêter paniquer là, nous connaissons quelle décision nous avons pour faire
quelle décision nous avons pour prendre. Amen. Mais alors, il y a une impureté dans le cœur, le Saint-Esprit ne va pas dire nous en rien. À mort, pendant le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, je attendais sa verset à eux, il dit, chaque qui prenant l'Esprit de Christ là, il ne lui appartient pas. Mais dire, si vous prenez l'Esprit de Christ ou pas en Christ, ou pas dans sa place que Christ peut dire là, mais dire, l'Esprit Christ pas en haut, le Saint-Esprit pas en haut. Ou pas capable dans le Saint-Esprit pas peut dire, un erreur tu peux faire. Un erreur tu peux faire. Sa foi tu peux faire, ça dit, et un erreur tu peux faire. Tu peux faire un tour, tu peux faire 10 tours. Il dit, tout ce qui est aimable, tout ce qui dit monde pour prendre plaisir, pour content ça, donne penser pour faire quelque chose. Parce que, comme je disais, tout nous penser, il vient par l'action, ça. Tout nous penser, il vient par l'action après. Tout nous penser, il vient en action. Tout ce qui est aimable, veut dire ça qui bissait dans nous les cœurs. Tout ce qui dit monde pour content, tout ce qui bon Dieu content, ben quelque chose qui fait plaisir. Ça qui te bise, qui bise un an dans toi, dans ton cœur, dans tes pensées, vrai sans Christ. Tout ce qui mérite l'approbation, il dit, vous faites lire. Lire. Pas ben quelque chose qui est interdit. Pas ben quelque chose qui défend. Mon père l'explique, c'est tout ce qui mérite l'approbation. Quand on dit montagne, Dieu, on fait ça quelque chose là. Je tout pour dire oui. Non? Ça qui veut dire, nous approuve-toi. Ce qui t'en fait à l'aide, en action, nous approuve-toi. Et ça même, quand on peut penser, on pas fini imaginer, quand on finit faire sa action là, du monde qui vous dit. Le Seigneur qui vous dit. Le Seigneur qui peut dire, le Dieu qui finit créer moi, les ciels, la terre, qui lui peut dire, qui lui pense, est-ce qu'il peut dire, bon et fidèle serviteur, est-ce qu'il est pour taper nous les deux, pour dire à nous, bon et fidèle serviteur. Si le temps pense, il est pour taper les deux, pour dire, bon et fidèle. Là, on connaît, on dit, mais ça, est une action qui dit pour être dans vos pensées. Quand les résidents vous pensez, vous continuez, mais dites-le, l'homme, bon, on va faire cette action-là, vient plus bon, vient plus bon, vient plus bon pour honorer le Seigneur, pour honorer le bon Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Tout ce qui mérite l'approbation, et bon Dieu aussi pour approuver quelque chose, frère sans Christ. Tu peux penser pour faire quelque chose. Est-ce qu'il dit monde pour approuver toi? Est-ce qu'il dit monde pour féliciter toi? Ça qui m'a fait comprendre, quelque chose qui n'a pas. Tu peux penser pour faire ça, quelque chose, tu ne penses toi. Est-ce que quand on fait ça quelque chose, dis moi pour féliciter toi. Quand on dit dis-moi, pas n'importe qui, dis-moi, pas dis-moi intègre, pas dis-moi qui connaît le Seigneur, pas dis-moi qui peut marcher avec bon Dieu, pas enfant de Dieu, est-ce qu'ils ont pas approuvé ton action? Tout ça là, nous bien connaît. Mais tiens, si nous pensons qu'il est chrétien par rapport à nos actions, là, nous ne passons pas derrière, nous allons faire aller. Seulement, nous connaissons quelque chose pas bon. Veut dire, il peut être l'approbation. Il n'est pas un an, frère Saint-Christ. Tout ce qui mérite l'approbation. Vous pouvez faire ça, comprendre ce qui veut dire qui mérite l'approbation. Est-ce qu'il y a quelque chose là quand vous pouvez faire ça? Vous êtes capable de donner un témoignage dans l'église? Pour dire que mon coquin casse mon patron? Pas venir donner témoignage ça à cause mon parti en rien pour mes enfants à la case. Je manque d'île, je manque de quelque chose. Et là, mon coquin ça, et là, on vient donner un témoignage ça là. Est-ce qu'il est capable de donner sa témoignage ça? Est-ce qu'il mérite l'approbation ça? Est-ce qu'il est capable de réfléchir et penser comme ça dans le cœur? Non, frère Saint-Christ, ce n'est pas quelque chose qui mérite l'approbation. Moi, je dis ça, à cause ça, nous faisons certaines quelque chose en cachette. Parce qu'ils ne connaissent pas pour l'approbation des hommes, ni de nous, monsieur, ni de nous, madame.
ni de personne. Personne ne peut approuver nous, personne ne peut dire nous, oui, allez l'avant, faire ça, quelque chose. Non, frère sans Christ. Mais dis ça, ben, quelque chose. Ah, mais dis ça, ben, quelque chose qui vous aide dans nos pensées, là. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange. Tout ça, là, vous aide dans nos pensées. Ce qui est vertueux et digne de louange. Comment vivre pour que les hommes. Paul dit bien de nous. Comment nous vivre? Tout ça là, nous disons calculer. Et mon comportement dans la société. Comment nous bien vivre pour que les hommes disent quelque chose du bien leur moi? Leur ma famille, leur l'église, leur les seigneurs. Comment bien vivre? Donne bon Dieu la gloire pour l'action qu'il nous fait. Comment nous pouvons faire ça pour nous capables de donner bon Dieu la gloire pour l'action qui nous finit faire. Si pas capable de donner bon Dieu la gloire, il y a un problème. Si sa pensée qui nous est dans là, il ne pas donne bon Dieu la gloire. Tu as l'air que maman allait mon cousin. Ça, c'est dans le cœur depuis longtemps. Pas capable comme ça depuis une semaine. Moi, frère Holder, tu peux causer le contraire. Mais causer le contraire là. Pas si c'est le contraire, ça. Tu peux causer contraire à chaque fois que vous passez. Mais moi, je peux dire, oh. Mais ça n'a pas digne de nous penser ça. Hein? Pas penser à des affaires comme ça, oublier ça. Parfois, une colère capable de rentrer dans haut, ça n'est pas venir comme ça. Mais enlève-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il a paix bon Dieu, quand on priait, la paix bon Dieu, dans vers eux, les cœurs, et les aide, frères en Christ, pour aller de l'avant. Je connais tout ça, quelque chose qui m'a pu dire là. On peut faire comme on dit, on finit faire lire. Mais ça, ça fait là dans nos pensées, ça. Et on peut causer dans nos pensées, ça. Mais c'est moi, on peut faire comme on dit, nous finit faire ça quelque chose. Vous connaissez qui fait un mot ça? Parce qu'il saisit lui-même dans sa parole. On n'est pas capable de causer les papes, ou soit moi, je ne sais pas qui c'est un appel à dire. Moi, on peut dire, saisit lui-même dans sa parole, il dit, si un homme, il regarde une madame avec un désir, pas droite. L'idée, il a déjà fini de commettre un adultère malgré l'hypène fait un homme. Mais il n'est pas encore dans la pensée ça, l'homme-là. Là. Connaissez-y, il connaît très bien. Il connaît qui passait dans la pensée de l'homme. Et si un homme, dans la terre, il dit, jamais il commet adultère dans son pensée. Jodien m'y enlevé comme un Enoch. Je m'en prie. Jodien m'y tout fait. Ça, c'est une affaire vraie. Parce que le Seigneur connaît qu'il y a dans nos pensées. Il connaît nous parfaitement. Frère sans Christ. Soit l'objet de vos pensées, les diens. Il dit, tout ça, dans quelque chose, hein? Laisse-les nourrir nos pensées. De. Laisse-nous penser, les nourrir. Laisse-nous penser, les nourrir avec sa bande qui chose. Soit l'objet de nos pensées. En anglais, dit, fix your mind on them. Garde nous l'esprit de sa bande qui chose. C'est qui pour garde nous passe. Parce que nous actions, les déterminer par nos pensées. Nos pensées ont un grand pouvoir. Au commencement de ma conversion, pas si on a une technologie comme on a actuellement, pas si on a une qualité de technologie là, mais tu peux déranger moi le cœur, moi je prends une cassette vidéo VHS, et là, je mets ça dans un gros appareil, comme on a là, je joue un film, je suis content, un témoignage chrétien. Là-dedans, il y a un frère qui est emprisonné dans une prison russe. Un vieux bonhomme, il est emprisonné pendant beaucoup d'années. On connaît quand on est chrétien, on a persécuté tout. Il est emprisonné. Seulement, il dit, on a peine emprisonné sur l'esprit. Sur penser pas finir d'être emprisonné, et ensemble avec Christ. Il était dans la prison là-bas, il y a les autres frères chrétiens.
qui est emprisonné pour ne rien ça. Et autres frères, autres la Sainte-Seine, dans dimanche, dans prison, avec Nanyé. Si ça message là, c'était la Sainte-Seine avec rien. C'est un coup, moi. Oui, Nanyé. Peine à divin, peine à divin, peine à coupe. Peine à Nanyé. C'est moi, je célèbre le Seigneur, je bois tout. Et là, il dit, rien, il y a quelque chose. Et sa bolomba, quand il peut presser, il n'est pas capable de bout, il est tellement maltraité dans la prison, il faisait ressasser comme ça, il n'est pas capable de poser. Il n'est pas capable de bout. Bien. Mais il ne faut pas oublier sa témoignage. Tout qui saute, tout victoire, il vient dans une pensée. La bande du monde qui est emprisonné là. Si nous nous décroisons, quand nous pour sortir, quand nous pour trouver nos enfants, quand nous pour trouver nos madame, quand nous pour trouver nos petits-enfants, nous pour mourir comme ça dans la prison, nous pour nous causer négatif nous-mêmes. Mais il faut nous penser ancrés en Jésus-Christ, frères en Christ. Quand la paix, bon Dieu, envahit, priez. Quand les premières affaires, frères en Christ, nous devons prier. Alléluia, gloire à Dieu. Nous penser occupés, mais occupés avec un bon quelque chose. Tout le temps, quand vous parlez de sommeil à somme, madame dit à moi, babe, take more of me, give me more of you, more of your kindness, more of your purity, more of your love, more of your respect. Ça fait ça en anglais. Prends plus de moi, Seigneur, donne-moi plus de toi. Et c'était là, je ne pas le dire. Lire comme la bouche, je répète dans mon cerveau, ça. Je répète. Prends plus de moi, Seigneur, donne-moi plus de toi. Plus de ta sainteté, plus de ton self-control, plus de ton amour, plus de ton calmness, plus de. Je dis à lui, moi, dans quelle langue je l'ai. C'est moi, je dis à lui, dans mon écrit. Fait dire, vous connaissez, moi, j'écoute, Benihin. Benihin appelle ça practice the presence of God. Practice the presence of God. C'est-à-dire, il dit presque même ça fait ça. Donc, pratique la présence de Dieu. Donc, ton God présence de Dieu dans tous les cœurs. Ton God présence de Dieu dans tes pensées. Parce que sinon, tes pensées, pour galber gauche droite, un petit moment, tu imagines ça, dis-moi, qui ne te fait pas du tout là. Souvent, tu prends imaginer quelque chose qui n'est pas si digne pour imaginer même ça. Mais c'est moi. Quand tu causes avec le Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, ou soit te louer, bon Dieu, te glorifier, bon Dieu. Là, tu peux glorifier, bon Dieu, dans tes pensées. Et ça, mon père, pas coûte beaucoup, c'est bon avant de finir de dormir. Mais non, beaucoup, c'est bon. Quand tu peux dire ça, tu finis de commencer à rêver. Tu finis de rentrer dans le rêve. Pour comment tu peux dire, bande d'affaires, prends plus de moi, Seigneur. Tu finis de rentrer dans le rêve. Il fait parce qu'il te finit connecté avec mon Dieu. C'est sa connexion-là qui nous disait, frères en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous disait, contrôle nos pensées. Gloire à Dieu. Prends plus de moi, Seigneur. Donne-moi plus de toi. Occupe nos pensées. Et bon, quelque chose, frères en Christ. Pour terminer, la clé pour nous réussir, contrôle sa pensée-là. C'est qu'il nous disait dans la paix, bon Dieu avant. Si moi, j'ai les cœurs troublés, comment pour contrôler la pensée? Explique-moi. Et ça, pour nous, la paix, là, nous fait lire. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais dire qu'on priait, on demandait, on suppliait, on remerciait bon Dieu. Quand on finit de faire ça, on a confiance dans bon Dieu. Ou on a confiance dans le nom de Jésus-Christ. Ou on a confiance dans sa grand nom-là. Ou on a confiance totale. Et quand on gagne sa confiance, c'est la paix qui va aller au cœur. Ou capable d'avoir une douleur dans le corps, mais c'est moi, on a la paix. Ou si, moi, ça ferait là dire, si mon mot aujourd'hui, ou avec le Seigneur. Ça qui vous prépare, nous, frères sans Christ. Nous prépare, nous. Les là, où sentez-vous pour ça avec mon Dieu? Ou pas, non, rien, Père, mon Dieu, ou pas. Mais non, rien. C'est ce qui arrive dans ce monde-là, quand la paix est envahie au l'équerre,
Et j'en pensais, mais quand vous finissez, bon, est-ce que vous avez connexion pour finir l'enterrement, vous pas? Et il va venir pas fatiguer la tête avec quelque chose qui n'est pas bien. Fatiguer la tête avec quelque chose qui est bien. Si vous ne venez pas venir, vous avez besoin de connaître avec bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et tout ça là, comme on dit, il découle de la prière, ça la pile. Quand tu as la paix là, tu n'es pas capable de contrôler tes pensées. Tu n'es pas capable de contrôler tes pensées comme ça même. Quand tu as la paix de Dieu. La paix de Dieu, prier. Mais tu sais que moi, je suis capable de dire, prier, prier et prier. Amen. Prier, prier et prier. Tu dans bis, tu prier, comment nous sommes dire, tu peux couper les games. Tu prier, moi, je ne peux pas couper les games. Ben qui coupe les games. Prier, ben. Qui vous peut faire? Vous pouvez prier comme ça. Même pas trop là, vous pouvez bouger, mais c'est moi qui peux prier. Quelque chose pas bon, quand t'as coulé cœur, connaît que la paix bon Dieu and God. La paix bon Dieu est sentinelle qui peut veiller pour les cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Vous les salons sur les cœurs grand matin là, qui la paix bon Dieu envahit les autres. Laissez-nous prier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vrai, le Dieu de miracles. Alléluia. Tu es le grand Dieu de miracles. Nous t'y sentons d'aller là. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse-nous prier le Seigneur. Je ne pas connaître qu'il y en a dans le cœur grand matin. Je ne pas connaître qu'il y en a dans le cœur qui trouble, qui quelque chose qui peut empêcher vraiment à de l'avant et quelque chose qui peut troubler aux pensées. Merci Seigneur. Papa, expose ça avec le Seigneur grand matin. Après, rends grâce. Quand on expose ça, rends grâce, bon Dieu. Remercie, bon Dieu. Papa, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Laisse-nous mettre nous debout. Laisse-nous prier le Seigneur. Mettre-nous debout dans nos places et prier, bon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions toi, grand matin, là. Nous prions toi, Seigneur. Nous prions toi, Papa éternel, pour la paix de nous, les cœurs. Nous prions toi, si il y a quelque chose qui peut fatiguer nous, les cœurs, qui peut fatiguer nos pensées, qui est l'ordre, nous y aller dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions toi pour nous vendre proche, pour nous vendre monde qui parle contre ton nom, Papa éternel. Les autres arrivés contre ton nom, je te passe avec toi, Seigneur, convenablement, Papa éternel. Qui la guerre qui est dans nos pensées, qui est enlevée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-nous les cœurs en paix avec toi, Jésus. Nous disons toi, merci, Seigneur, Seigneur. Merci, roi des rois. Tout l'honneur pour toi, toute puissance pour toi, Jésus. Laisse-moi dire toi, merci, Seigneur. Merci, Papa éternel. Merci, Jésus. Laisse-nous glorifier toi, Papa. Laisse-nous dire toi, merci, Jésus. La gloire pour toi, la puissance pour toi, le règne pour toi, l'adoration pour toi, Seigneur, mon Dieu. Laisse-moi dire toi, merci, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à Jésus. Laisse-nous continuer à prier, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu vrai, Dieu de miséricorde. Nous louez toi, nous élève toi dans sa place. Contrôle nos pensées, pas laisse-nous penser à gauche droite. Pense à Dieu, le Dieu qui finit de créer les ciels et la terre. Pas laisse-nous penser à gauche droite, alléluia. Gloire à ton nom ce matin, Papa. Nous glorifions toi, Jésus. Nous élève toi, Seigneur. Nous donne toi la gloire, Papa éternel. Nous connaissons qui toi, Seigneur. Nous connaissons qui toi, Seigneur. Nous connaissons qui peine aucun des autres, Seigneur, par toi, Jésus. Ton grand Seigneur. Tous ban la vie, délivré ban la vie, Papa éternel. Nous comptons toi la grâce, Papa éternel. Laisse-nous dire toi merci, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends contrôle de nous les cœurs. Prends contrôle de nous la vie. Prends contrôle de sa place. Ça. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle ce matin, Papa. Prends contrôle ce matin, Jésus. Prends contrôle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends contrôle, Papa. Prends contrôle, Seigneur des Seigneurs. Prends contrôle en bas de la vie. Prends contrôle en bas de l'équerre. Nous disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Prends contrôle toi-même, Seigneur, Jésus-Christ, tu es Seigneur, laisse-nous prier, à nous prier le Dieu vivant, à nous prier le Dieu qui finit créer les ciels et la terre, à nous prier Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, laisse-nous bénir toi dans sa place, laisse-nous glorifier toi, Papa éternel, laisse-nous dire toi merci, Papa éternel, la gloire pour toi, la puissance pour toi, Jésus, laisse-moi dire toi merci, Seigneur, merci, Jésus. Merci Seigneur, merci Papa éternel, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu nous met dehors dans nos pensées. Man quelque chose qui fait à nous commettre, man quelque chose qui n'est pas de Jésus. Tout ce man le cœur, man tout le monde qui finit dans sa parole là. Laisse-nous recevoir Jésus comme Seigneur, sauveur de toute la vie, Papa éternel. Le Seigneur, le sauveur de toute la vie, Père. Nous attendons merci, roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Papa éternel. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Louange à toi Seigneur. Oui Papa éternel. Oui Papa éternel. Nous t'attendons. Merci Jésus.
Gloire à ton nom, papa. Gloire à ton nom, Jésus. La gloire pour toi, la puissance pour toi, Jésus. Merci, papa éternel. Merci, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, prends contrôle en nous la vie. Prends contrôle en nous l'équerre. Prends contrôle en nous l'équerre, Seigneur. Nous comptons ton la grâce, papa. Nous disons merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, gloire à toi. Prochaka, baba, socoro, chata, baba. Mandakara, baba, socoro, chakana, baba, soko. Prochata, mandakara, baba, soko. Protokoro, soko, bodokoro, chaka, baba, sikaraba. Mandokoro, chaka, baba, soto. Protanda, baba, sikaraba. Mandakara, baba, soko. Christa, ta maman, na maman, de crochet. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 ton Seigneur, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, ton Seigneur, Jésus, ton Seigneur. Prends contrôle dans sa lieu là. Prends contrôle grand matin. Prends contrôle grand matin, Seigneur. Prends contrôle dans sa lieu là. Prends contrôle dans sa lieu là. Prends contrôle, prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus, tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Prochaka baba soto. Mandakara baba soko. Prosondo. Prosondo, 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 prosondo. Équipe-nous penser avec les choses qui tiennent de toi, Seigneur. Bonne pensée, ce qui est vertueux, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est honorable, Papa éternel. Ce qui est digne de louange, Papa éternel. Dans nos pensées, Papa éternel. Nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à 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 Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur Saint-Esprit, prends contrôle en nous la vie, prends contrôle dans ces lieux, prends contrôle, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Bonda baba sokoro shababa soto, brata basi koro soko, brata manana mama soko, brata basi kiri sondo tokoro saba, brama mama soko, baba soko rota baba sina, mandakara baba soko, prondo koro baba saba soko, prondo koro baba si kara na mama na mama soko, broka baba si kara baba sata, manana mama krota baba sata, mandakara baba soko ro baba soko, braba baba si kara na mama ndo koro soko. Baka baba sondoko pukuru suku mandakara baba sa. Merci Seigneur, merci Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu ce matin, gloire à Jésus. Nous remercions bon Dieu grand matin là. Merci Seigneur, merci Jésus, l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Et merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Prochata baba socoro socoro. Mana mama socoro chaka baba socoro. Mana mama socoro chaka baba sikeli bibi socoro. Non 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 coro chaka baba socoro baba sa. Pro socoro baba sakada baba sa. Nanana baba socoro baba sakada. Non non d'accord baba sa. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa éternel. Merci Seigneur Jésus. Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Esprit de Dieu.